Et salut tout le monde, alors on se retrouve pour une petite série, on va dire ça, en compagnie de FD Pré Salut. et de Étienne. Salut. Donc on va essayer de faire une petite série roleplay, je viens d'y essayer. Ça devrait aller. Donc du Vous coup on aviez est pas sur trop. la map Franconia. Frankenland. Non oui mais c'est Franconia. Franconia map, Il y a ouais, donc marqué pareil. welcome. Donc je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Enfin j'essaierai du moins. Donc on va commencer puis on se retrouve tout de suite dans le roleplay. Bonjour, ça serait pour la recherche de l'emploi. Oui, vous avez un CV, une lettre de motivation, quelque chose comme ça? Oui. Est-ce que vous êtes disponible maintenant? Oui. Ok, bon ben on va... je sais pas ce qu'on va faire. Je garde ma voiture, par contre. Venez, suivez-moi. Oui, bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour l'ensilage. Il me faudrait deux remorques. Ok, vous êtes champ combien? Champ 40. Ok, on sera là d'ici 5 à 10 minutes. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Oui, donc on va aller aider FD Pré. On va prendre les deux tracteurs. Alors on va essayer du coup. Tu me suis? Oui. On va au champ 40. Je suis. Et par contre, au champ 40. Ah oui, c'est juste à côté en fait. Oula, on va pas rouler en sens inverse. Et du coup, ça fait un moment que vous travaillez dans l'agriculture. 2 ans. Oh, ça va aller. Je pense que votre salaire, ça sera de 1900 à 2500, on verra. Enfin, ça dépend, D'accord. oula, ça dépend de ce que vous ferez par rapport, enfin, de ce que vous ferez comme Bah travaux. oui. Alors, normalement, on devrait pas, on devrait arriver bientôt. Oui, aussi, si vous pouvez me conseiller par rapport au tracteur ou aux remorques ou autre chose, par rapport, enfin, me conseiller sur ce que vous préférez acheter, parce que vu que j'en ai plein, comment dire, vu que j'achète beaucoup de véhicules, attendez. Ah non, je croyais qu'on avait loupé la map. Vu que j'achète beaucoup de véhicules en ce moment, autant que je vous aide. Bah, moi j'ai pas de préférence pour quel que soit, tout me va. Ok, bon, mais au pire, c'est pas grave. Je demanderai à FD Pré si pourra m'aider. Je vois son entrepôt. Faut que je lui demande aussi où on va vider. Je pense que ça doit être dans ce silo. Oui, Par contre, on se gare sur le côté. Ah, je peux si je vous permettez que je vous appelle comme ça. Oh Rebonjour. Attendez. bonjour. Bonjour. Donc du coup, juste une question. Oui. Est-ce que on va vider dans le silo qui est à côté de l'entrepôt là? Ou on descend à votre ferme? Non, non. Aussi, où il y a les vaches à côté du 23, entre le 23 et le 19. Donc à votre ferme.
C'est ça. Bon, ben, à tout de suite. Ok. Vous voulez commencer? Enfin, tu veux commencer, Étienne? Comme tu veux. Bah, je vais commencer, puis après, je vais y aller. Tu sais où il est le champ 23 et 24? Oui. Sinon, t'as un GPS intégré, de toute façon, alors tu pourras Oui. trouver. Moi, je vais me préparer. Oh, les pauvres figuiers. On peut y aller? Oui. Vous allez me dire ça là. Attendez. Là, ça prend. Allez, c'est parti. Attends. Il y a un bon rendement? Oui, ça peut aller. Enfin, ça varie. Non, il est pas très. Non, ça va. Ça va. Par contre, vous pouvez me signaler si l'employé que je viens d'embaucher ce matin, il fait des bêtises, vous pourrez me le dire parce que voilà. Vous êtes là? Êtes-vous prêt? Et normalement, ça devrait aller. Ah oui, apparemment, il a 2 ans dans Oui. l'agriculture. Oui. Oui. Le niveau de remplissage quand même il est bas. Et on je suis qu'à non je suis qu'à 20% là. Enfin, d'après ce que je vois sur le tableau, enfin sur mon écran, je suis qu'à 20%. Donc le rendement il est un peu pourri. Étienne, tu suis ou tu restes derrière? Non, je reste au bout. Oui, je suis qu'à 30%, alors je te préviendrai quand je serai à 90. Vu que le rendement, il est pas très 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 bon. Bah, t'as 30 et t'es au bout, donc ça. Allô? FDP? Est-ce que vous m'entendez? Ce serait pour savoir si vous pouvez... Si vous pouviez passer dans le 40, dans le 39. Attendez, je vous entends mal. Est-ce que vous pouvez répéter parce que là, Il je pense faudrait que... que vous passiez de l'engrais dans le 39. Mais peut-être dans ce qu'on a fini ici, quoi. Est-ce que vous... Parce que c'est vrai que ça a pas l'air d'être... Attendez, je vais acheter un tracteur à Étienne, par un autre tracteur, et puis je vais lui acheter un... Pardon. Je vais lui acheter un épandeur. Étienne, tu peux... T'as de l'argent là sur toi? Ok. Je te le Oui, un peu. rembourserai après si tu veux. Oh là, pardon. Est-ce que tu pourrais acheter un tracteur, n'importe lequel, et un épandeur? Oui, je vais faire ça. Je te rembourserai l'argent après. Pulvérisateur. Voilà. Alors, oui, un pulvérisateur. Mmh. Je suis qu'à 35% FDP. Comment? Je ne suis qu'à 35%. Ça avance, le rendement, il est un peu pourri. Vous avez dit à combien? 35, là 40 maintenant. Ben ouais, c'est pour ça qu'il faudrait passer un peu d'engrais ben déjà dans celui-là quand on aura pas fini et dans l'autre. Vous voulez que je déchaume après ce champ ou... Enfin, je vais avoir les outils adéquats, je vais les recevoir en ligne, pas tous. Ben, on attend un peu parce que j'épandrai du fumier ou du lisier pour semer directement derrière. Si on vous me rappellerez quand j'aurai besoin. Parce que faut pas des juste après le blé, c'est tout. Ok, bah, Ok. oui. Comment? Ah, moi je n'ai rien dit.
Alors attendez, j'ai un problème. Ah mince. Si vous pouviez éviter de me faire sauter les poteaux, ce serait simple. Oui, excusez-moi, en fait, c'est juste que j'étais en train de regarder le catalogue pour acheter un nouveau tracteur et puis j'ai pas vu ça. Je les repayerai. Vous inquiétez pas. Bon, ça devrait aller. Ouh, j'ai assez d'argent en ce moment. Vous êtes à combien d'un tour? À 64%. Attendez, je vais aller voir juste quelque... je regarde sur mon téléphone vite fait quelque chose et j'arrive. On est pour Par contre, moi j'ai une 10 secondes. question. Ouais. C'est où pour avoir plus de plusieurs affaires? Et quand tu regardes à la Ok. ferme, Étienne, Mais et je bah suis là. c'est pas loin à côté en fait. Et c'est dans la ferme? Oui. Ou sinon, attendez, je vais envoyer un, je vais appeler FDP. Oui, est-ce que Étienne pourrait venir vous remplir son pulvérisateur dans votre ferme, si vous en avez? Parce que le problème c'est que nous, enfin j'ai pas eu le temps de regarder tout à fait notre ferme, alors du coup je sais pas si on en a. Oui, bien sûr, pas de problème. Donc Étienne, tu vas, attends, sur la carte, tu vas au 24, enfin pas loin du 24. D'accord. Au pire, je vais peut-être te rejoindre, tu gâches à 70%. Etienne, du coup, t'as acheté quoi comme tracteur? Le même qu'on a. Ok. Le T8 Max. Oui, avec les chenilles. Le Oui, oui. T8 .435. Oui. Ok. Du coup, je vais peut-être prendre ta place. On se rejoint en bas et puis je prendrai ta place. D'accord. Parce que là, je suis bientôt à 90%. Et je suis pas loin de vous, je crois. Au pire, Étienne, mets-toi au bout du champ. Et puis comme ça, moi, je vais aller le remplir. J'arrive. Alors, attends. C'est que j'ai pas l'habitude de faire de l'ensilage, alors du coup je sais pas trop comment on fait. Vous êtes bientôt plein? Je suis à 80, bah 90%. Je vous dirai quand je serai à De toute 90. façon, quand vous serez plein, je vous rendez-vous, donc il faut on finira plus tard. Ok. Top, c'est bon. C'est bon. Bon, bon, on va. Merci de regarder cette vidéo, puis Hello. merci à vous deux, FDP et Étienne. De rien. Et puis à plus. À plus.